pour remercier l'Arabie Saoudite pour sa lettre que nous recevons en termes de nations, devant medical equipment, seringues, masques, etc. Et il y a une valeur de 500 000 USD, 500 000 dollars américains. Et ce n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite vient en aide avec nous au niveau du Covid. L'année dernière, c'était sa première vague qui frappe nous, devant un moment plus difficile encore. L'Arabie Saoudite vient à nos recousses, c'est de nous encore dans le medical equipment. Donc aujourd'hui, pour la deuxième fois, et nous pouvons recevoir ça là, en termes de donation. Et moi et le ministre de la Santé, évidemment, nous exprimons nos reconnaissances aujourd'hui à King Salman et aussi au Crown Prince pour sa générosité et sa l'amitié qu'ils ont envers nos pays. En vérité, c'est un Humanitarian Aid and Relief Center de King Salman qui vient organiser cette aide-là pour aider nos frontliners dans ce travail de tous les jours. Alors, nous avons une relation spéciale avec l'Arabie Saoudite dans plusieurs secteurs, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la santé et dans le secteur de la culture. Nous déjà on va poser ensemble. Et le nouveau ambassadeur Charles Katali Soudan, il suit ce dossier-là. Et aujourd'hui, avec sa lettre qu'il nous gagne là, ça peut vraiment aider nous. Et à cause de ça, nous remercier le vice-consul ici présent. Alors, nous vous connaissons qui n'a pas juste nous que l'Arabie Saoudite est aidé. Il est reconnu comme un pays 8e dans le monde en termes de sa générosité, de son geste philanthropique, en termes de l'action qu'il fait à tout le pays du monde. Et nous avons une relation privilégiée avec lui. Et nous demandons le vice-consul, sa relation excellente qui existait avec le pays, puisse continuer. Parce qu'il nous tout connaît comment nous vivre un monde difficile, imprévisible, peine la visibilité de beaucoup de choses, en particulier dans le domaine du sanitaire. Et nous disons que bien sûr, nous comptons sur l'aide pour l'avenir aussi. L'Arabie Saoudite, une ville annulée, dans un lieu que nous bien besoin, plusieurs bons équipements qui nous servissent pour une bonne frontlineuse, pour une bonne staff qui travaille dans les différents centres de santé, y compris dans la vaccination. Depuis l'année dernière, Proteso contre COVID-19, Tilo, protection en termes d'équipement, et cette année-là, équipement et vaccination qui permettent de continuer à protéger la population et aussi le ministère de la Santé. Depuis l'année dernière, c'est ce qu'a dit, le nombre d'équipements qui nous fait besoin de continuer à augmenter, vu avec le cas qui nous gagne, mais aussi avec vaccination, nous besoin de plusieurs équipements, les gants, masques et aussi ben full PPE. Parce que nous, système de la santé, tout nouveau service de la santé, les peut continuer à opérer pareil et ça veut dire qu'il besoin de plus beaucoup d'équipements. En ce moment-là, même si nous avons un équipement, mais ben une commande qui nous fait, ben une commande là, je ne pas encore rentrer. Et vous connaissez quand on gagne un aide à ce moment-là, surtout quand nous pouvons attendre ben une commande. Et tous les temps, et nous, pour pallier, pour quoi dire, tous les temps, nous avons une préparation qui, même si nous, même commande, nous venons en retard, nous toujours énorme, nous avons tout bien équipement qui besoin, surtout pour nous, même frontliners qui travaillent jour et nuit pour faire une manière capable de tout bien service qui besoin dans la santé. Il ne faudrait pas oublier qu'avec la vaccination, et nous besoin continuer prothèse, ça dit mon clique. Conseil de masque, ou bien surtout ben, des gens qui travaillent dans l'hôpital, ils ont bien protégés avec ben, des mesures barrières. Et tout cela, c'est nous vous servir à bon escient, parce que c'est une donation qui nous fait gagner à un bon moment. Et pour ça, encore une fois, nous remercier l'Arabie Saoudite. Based on the good relations that the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Malaysia
We are very honored and pleasure to remit to the government of Mauritius the donation of medical equipment by the government of Saudi Arabia. With the Queen Salman Humanitarian and Relief Center. In the presence today of the Minister of Foreign Affairs, Honorable and Honorable and Dr. and Honorable Manish, the General Minister of Health and Wellness. And we have a good relationship between the two countries.